Un grand plaisir de... Aujourd'hui, je reçois pour vous trois invités. Je suis Grammy Clégan, comme vous le savez tous. Merci beaucoup à la grande équipe. Nous sommes avec Prince Epengue, initiateur de son parti politique ADD Congo et membre de la grande plateforme Lamuka. Face à Prince Epengue, nous avons Bazin Pembe, dynamique, les changements s'éménant et cadre également de la plateforme AFDC ADBAT, Yulukwebo. Enfin, Feli KMB, il a une structure qu'il coordonne. Il va nous tenir informés sur ça. Mais il est également un allié de l'UDPS. Il fait partie également de l'UDPS, cadre au niveau de l'Union Sacrée, également communicateur. Feli KMB, avec les trois, nous allons parler sur l'actualité politique. Il se passe beaucoup de choses au niveau du comité d'organisation de ces Jeux de la Francophonie, 9e édition, qui doit être organisée les 19 au 28 août 2022 ici à Kinshasa. Nous allons parler également des atrocités au niveau de l'Uvira selon certaines informations. Je ne confirme pas, mais c'est à prendre sous pincette. Selon ces informations, les militaires burundais seraient également sur les sols congolais. Nous allons en parler avec nos invités, sans oublier également plusieurs détournements signalés au niveau de la gestion de cette pandémie Covid-19, où on citerait les conseillers du président de la République, Roger Kamba, les ministres, l'ex-ministre Teni Longondo et le ministre des Finances, Sélé Yalagouli. Nous allons également prendre l'actualité d'hier, le 4 janvier 1959, aujourd'hui 63 ans après, les politiques vont placer leurs mots. Nous commençons par Prince Epengue, les premiers arrivés sur ces beaux plateaux des Perfect Télévision, émission débat pour la nation. Prince Epengue, bienvenue et comment vous allez? Bonne année. Merci, bonne année. Et bonne année également à tous les compatriotes qui nous suivent. Merci beaucoup. Et Feli Kayembe, comment vous allez? Bonne année. Je vais bien, merci beaucoup. C'est pour moi l'occasion de vous dire merci pour cette marque de confiance. J'ai salué tous les téléspectateurs qui nous suivent pendant ce moment. Oui. Feli Kayembe, cadre de l'IDPS et aussi coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Oui. C'est pour nous l'occasion de souhaiter bonne année à toutes les Congolaises et Congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Bazin Pembe, vous allez bien? Ça va très bien, Gramic. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai salué mes co-débatteurs sur ce plateau de télévision et les Congolais qui vont disposer de temps pour me suivre dans ces débats pour la nation. Merci beaucoup, Maître Bazin Pembe. Nous commençons par vous. Vous gardez les micros. Maître Bazin Pembe, un mot sur le 4 janvier 1959. Comment est-ce que vous réagissez en tant que politique actuellement? Est-ce que vous êtes sur les pas de nos pères de l'indépendance ou bien vous vous écartez? L'opinion estime que vous ne représentez pas mieux, soit vous ne poursuivez pas les combats commencés par les pères de l'indépendance. Actuellement, vous vous êtes dans les détournements, les corruptions. J'ai venu là d'annoncer dans les sommaires que beaucoup des malversations financières au niveau de l'organisation des Jeux de la Francophonie, également la gestion pandémie Covid-19. Est-ce que vous êtes sur les pas ou bien vous vous écartez de plus en plus des pères de l'indépendance? Nous pérennisons aujourd'hui une élite. La lutte étant continuelle, c'est dans cet élan-là que nous nous lançons aussi pour conserver les acquis de la République démocratique du Congo après l'indépendance. C'est le bon Dieu qui a accepté à ce que nous ayons cette potentialité énorme aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nos pères fondateurs ont mené une élite pour conserver tous ses acquis. La liberté d'expression, la liberté de manifestation, conserver l'or, les diamants, les cuivres que nous avons en République démocratique du Congo et la plus rapide partie aussi politique. C'est dans cet élan-là que nous nous sommes. Ils ont combattu un bon combat. Il faut saluer tous ces acquis. Nous avons intérêt aujourd'hui à réexaminer, à comprendre à quel niveau la République démocratique du Congo est arrivée pour sauter et faire le mieux que nos pères n'ont pas pu faire. Ils ont combattu cette journée
Nous connaissons tous les péripéties qui ont caractérisé la journée du 4. Là, et aujourd'hui, pour moi, je peux dire, je suis fier parce que je suis en train de pérenniser ces combats. Merci beaucoup. Alors, Prince Epengue, de votre part, est-ce si on ressuscitait nos pères de l'indépendance? Ils seront contents de vous. Vous faites également partie de cette nouvelle classe politique ou bien non? Quelle est votre réaction? Le 4 janvier 1959 est une date historique et je ne cesserai jamais de le dire. C'est une date que nous devons bien enseigner, bien méditer. Enseigner à nos enfants et à nos petits-enfants si le sens est. La signification du sacrifice suprême est consentie par nos pères fondateurs, ceux-là qui ont lutté pour l'accession de notre pays à l'indépendance. Vous savez, on dit que celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il va. Toutes les nations que nous qualifions de développées aujourd'hui, ce sont des nations qui ont un très profond respect pour leur passé. Pourquoi c'est ça? Les historiens parlent de... Enfin, là-bas, l'Alliance de Bakongo avait parlé de 300 morts. L'autorité coloniale belge reconnaissait 49 morts seulement. Pourquoi autant de sacrifices? Nos pères fondateurs avaient fait don de leur vie parce qu'ils croyaient à la grandeur du Congo. Ils croyaient à un avenir radieux pour le Congo. Pensait-il que on peut être congolais, rester chez soi, être en sécurité, avoir à manger, avoir un emploi décent. Très souvent, dans la trajectoire des évolutions des nations, le peuple passe par trois étapes. D'abord l'étape de la résignation. C'est-à-dire l'étape où le peuple accepte tout et n'importe quoi. Vient ensuite l'étape de l'indignation, c'est-à-dire celle où le peuple finit par prendre conscience qu'on l'utilise comme du bétail. Et enfin arrive l'étape de la révolte, où le peuple décide de se prendre en charge et se définir seul un avenir. Et donc cette étape a été franchie le 4 janvier. Maintenant, aujourd'hui, vous me dites, est-ce que nos pères fondateurs sont honorés aujourd'hui par nous qui avions hérité des flambeaux? Je parle même avec mon partenaire de Congo, au sein de la Mouka, nous parlons d'une trahison. Nos pères fondateurs ont été trahis. Trahis pourquoi? Par la classe politique actuelle. Trahis pourquoi? Parce que ceux-là qui ont donné leur vie en 60, en 59, pensaient qu'on peut avoir à manger au Congo, on peut avoir à boire au Congo, on peut être sécurisé au Congo, on peut avoir des emplois. Mais regardez les dirigeants congolais aujourd'hui. Les dirigeants congolais d'aujourd'hui se contentent des accolades et des sourires des dirigeants occidentaux. Ça leur suffit. Les dirigeants congolais d'aujourd'hui doivent traverser les océans, faire des voyages de 15 000 km pour aller tendre la main, commander de l'argent partout, alors que le Congo a toutes les potentialités. Les dirigeants du Congo d'aujourd'hui préfèrent à amener des troupes armées étrangères dans notre sol pour sécuriser nos propres frères, comme si ce pays n'a jamais connu une armée aussi glorieuse. Les dirigeants de Congo d'aujourd'hui doivent aller jusqu'à Namibie importer des Saint-Charles, alors que les rivières, les lacs du Congo sont remplis de poissons. Pour dire que l'idéal de paix, de prospérité que nos pères fondateurs qui avaient donné leur vie à le 4 janvier avaient en tête, l'idéal n'est pas arrivé parce que nous l'avons trahi. On n'a pas si perpétué l'héritage. Aujourd'hui, nous, on a un devoir de perpétuer cet héritage. Merci beaucoup. Alors, Félix Kayembe, vous êtes de l'UDPS, cadre. Est-ce aujourd'hui l'UDPS au pouvoir est fier de célébrer cette journée? Les gens pensent que l'UDPS a passé 37 ans, 36 ans dans l'opposition, mais aujourd'hui, l'UDPS ne gère pas mieux comme les Congolais espéraient. Est-ce l'UDPS est fier aujourd'hui de célébrer ou soit de commémorer cette journée?
De prime abord que je puisse intervenir, je demande à ce que nous puissions être égalants sur votre plateau. Allez-y. C'est vous qui êtes le maître de ces plateaux. Lorsque vous demandez à la personne de cette heure ou de vous retirer la parole, ça serait mieux que nous puissions vous respecter. Deuxièmement, et il ne faut pas que nous puissions aller avec des contre-vérités, ce qui n'est pas une très bonne chose. Et écoutez, nous, on n'a pas fait appel à des troupes étrangères pour venir sécuriser les peuples congolais. Ici, à Kinshasa et partout ailleurs, vous ne voyez pas les troupes étrangères. Mais je pense que votre invité fait allusion, bien entendu, à la mutualisation des efforts avec l'Ouganda et la République du Congo. Aujourd'hui, on parle du... Je note une chose, il faut que nous puissions le savoir. Et nous avons un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est les ADF. Et ces ADF-là proviennent de l'Ouganda. Il y a un mois et demi passé, ils ont frappé Kampala, ils ont bombardé et ils ont compris pour dire, écoutez, il fallait que nous puissions mettre nos efforts ensemble pour que nous puissions nous unir et que cette histoire puisse terminer. Aujourd'hui, où nous parlons Gramic Legrand, il faut signaler que nous sommes au moins 75% où on a eu à démanteler les passions des ADF et aujourd'hui, il n'y a plus de morts comme on en comptait autrefois. Deuxièmement, nous sommes là pour que nous puissions répondre à la question sociale de notre peuple. Parce que l'IDPS, c'est un parti de gauche. Nous prenons la social-démocratie. Et tout ce que nous faisons chez nous, c'est les peuples et les peuples seuls. C'est pour cela, du vivant de Etienne Tshisekedi Mulumba, notre mentor, nous a légué un slogan que nous disons à la longueur de la journée, chaque jour, les peuples d'abord. Donc si, vous êtes fier aujourd'hui de célébrer... Je suis en train de répondre à la question. Par rapport au Saint-Char en Namibie, il faut dire que c'est un marché conclu avec ce pays-là, non seulement pour que nous puissions servir notre peuple à la fin de l'année, mais plutôt les peuples doivent manger au quotidien. C'était une guerre que nous avions mené avec les hôpitaux économiques verrés, qui ne voulait pas que nous puissions revoir les choses à la baisse. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes en train de répondre à la demande de notre peuple et ça s'est vu sur le terrain. Par rapport à la question que vous aviez posée, écoutez, l'IDPS a milité pendant 37 ans dans l'opposition. Moi-même, j'étais président de la Ligue des jeunes au niveau de l'université. Nous avions milité pour que les peuples puissent se retrouver. Et aujourd'hui, il faut saluer, bien entendu, la date d'hier du 4 janvier 1959, parce qu'il y a eu des Congolais et Congolais comme nous qui ont répondu à l'appel de l'Abaco pour manifester à la place Imka. Mais lorsque l'on a saisi l'administration belge, celle-ci a refusé pour répondre favorablement. Et arrivé à la place Imka, Kassavubu Péassonam, notre tout premier président, est allé pour demander à ses militants. Non, je suis en train de te relater. Je suis lui d'être écoutez, ce n'est pas 1 plus 1 égale combien. Je réponds. Je vous donne l'historique pour que nous puissions tous les temps arriver au combat de l'IDPS. L'IDPS, bien entendu, je disais que on a eu tout ce qu'on a eu ces jours-là. Il y a eu les émettes. On ne parlait pas de 300 morts, mais plutôt de 100 morts. 49 morts selon l'administration belge. 100 morts selon. L'Abaco. Et aujourd'hui, et Saint-Moulin, les pères Saint-Moulin en a parlé aussi. Aujourd'hui, nous parlons, l'IDPS est fier de ces combats-là. Parce que nous étions ces combats-là, on ne pouvait pas nous retrouver à la table ronde pour que nous puissions discuter, bien entendu, de l'indépendance. Mais j'ai dit, nous avions milité dans ce pays, nous, l'IDPS, pour que nous puissions instaurer l'état de droit et la démocratie. Et aujourd'hui, où nous parlons, merci beaucoup, il y a l'état de droit, il y a la démocratie. Et voilà comment est-ce que nous en sommes fiers. Mais il faut dire, on n'a pas encore tout conquis. Nous y travaillons pour que nous puissions conquérir tout et que les peuples... Merci beaucoup, Félix Kaimé. Alors, Maître Bazin Pembe, nous prenons, en tout cas, nous allons prendre plusieurs sujets parce que l'actualité est tellement vaste. Nous commençons cette année avec beaucoup, je ne sais pas si je pourrais dire des désespoirs, les professeurs aujourd'hui, les professeurs d'université commencent leur grève, je ne sais pas, au niveau des jeux de la francophonie, ça ne marchait pas là-bas. À l'est de la République, il y a l'OVG qui alerte encore sur, si je pourrais dire, une probable éruption de Niragongo. Apparemment, on commence l'année très mal. Qu'est-ce que vous pourriez dire étant de l'Union sacrée? Toutes ces actualités, nous prenons la grève au niveau des enseignements supérieurs, nous prenons les malversations au niveau même des 9e jet de la francophonie, on prend également la situation au niveau des volcans Niragongo. Merci beaucoup, Gramic. J'aimerais ici rappeler aussi à l'opinion, parce que nous parlons du 4 janvier, et que le président actuel a réhabilité la mémoire du président Kassavubu. Oui. C'est un événement aussi de taille. Un héros, mais désormais. Le Congo
central, même nos amis d'Abaco ont salué. Donc, et c'est depuis 2019, non? Oui, il faut aussi saluer cet acte. J'aimerais revenir sur un point. Vous avez parlé de la grève. Yeah. C'est un droit reconnu à chacun de nous léser lorsqu'il ne voit pas l'autorité compétente répondre à ses préoccupations des marchés, des grévés. Mais la conséquence, alors c'est un droit constitutionnel. Ça perturbe les calendriers, oui, les conséquences, parce qu'il y a perturbation des calendriers académiques, ça il faut les reconnaître. Mais je viens de lire tout de suite là, dans les réseaux sociaux, qu'il y a eu ouverture de l'année académique aujourd'hui par les ministres Mouyindo Nzangi. Mais les professeurs ne sont pas là. Bien sûr qu'il y a des contestations de part et d'autre. Le gouvernement est disposé à écouter certaines revendications des enseignants, parler avec eux pour qu'il y ait une solution. Je ne vois pas un problème qui ne trouve pas une solution dans cette terre des hommes. Et les enseignants, ils sont appelés à encadrer les étudiants. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous sommes les fruits de leurs entrailles. Et nous, intellectuels que nous sommes, politiques que nous sommes, nous pouvons appeler à ces enseignants à avoir un cahier de charges, voir les gouvernements, parler avec les gouvernements pour qu'il y ait une paix et pour que la rentrée académique soit effective et sur terrain. Et je salue ici la décision du président de la République mettre à la disposition des étudiants transacadémiens pour leurs moyens de la mobilité. Alors, mais Bazet, comment est-ce que vous nous chantez matin, midi, soir, vous de l'Union Sacrée, que non, il y a hausse des recettes, il y a croissance, ainsi de suite, mais vous n'arrivez pas à répondre aux besoins primaires même des fonctionnaires? Nous avons plusieurs universités en République démocratique du Congo, nous avons plusieurs professeurs, même certains instituts supérieurs. C'est la rentrée académique, c'est des droits, mon cher ami. Oui. On doit avoir un esprit de fair play. On doit avoir cet esprit-là d'ouverture, démocratique même. Il n'est pas interdit aux enseignants de revendiquer leurs droits les plus constitutionnels. Et surtout que les salaires ont un caractère alimentaire. Exactement. Vous allez les étouffer pourquoi? Est-ce que vous avez vu le gouvernement fermer l'oreille? Ne pas les entendre? Non. Le ministre a dit qu'il est disposé à parler avec eux. Et à répondre à leur engagement, à leur répondre à leurs besoins. Mais attendons voir. Attendons voir. Je viens de vous donner un élément tout de suite là, détail, qu'aujourd'hui, c'est le 5 janvier 2022, il y a eu ouverture de l'année académique 2022-2023. Je vis le ministre avec le professeur dans une salle. Et je pense que même les certains étudiants ont rejoint leurs auditoires et même certains enseignants ont enseigné. Mais il revient à l'État et payer. Vous me parlez des recettes. L'État n'a pas que la charge avec les professeurs. Vous avez les professeurs, vous avez la gratuité de l'enseignement, vous avez les infrastructures qu'il faut réhabiliter en République démocratique du Congo. Saluer aussi l'acte posé par le président de la République pour réhabiliter l'université de Kinshasa qui était à un état de délabrement prolongé. Mais jusqu'à présent, les travaux n'en finissent pas, on ne sait pas pourquoi. Mais moi, je vous parle des travaux déjà finis. Vous me parlez de certains travaux. Nous avons combien de hommes à l'université de Kinshasa? Les hommes sont toujours fermés, non? Ils sont fermés, mais il y a les travaux qui se font, cher ami. Alors, mais depuis quand? Et c'est pourquoi j'ai dit jusqu'à présent, les travaux n'en finissent pas. Moi, j'ai vu les images de la réhabilitation de certains bâtiments de l'université de Kinshasa. Alors, et cela est palpable. Je ne suis pas dans les spéculations. Mais je merci vis beaucoup, ici à Kinshasa. Je vis à Lemba, donc à 100 mètres de l'université de Kinshasa. Alors, les auditeurs et le gouvernement est en train de se battre pour voir même la question des Minerval des étudiants. La gratuité, donc, ça ne marche pas toujours. La gratuité, ça marche difficilement. Là, vous tendez directement à l'université. Les présidents, au niveau des TICAPA, on informe les présidents qu'ici, il n'y a pas de gratuité. Les présidents s'étonnent. Non, écoute, non, n'interprétez pas mal les rubis. Alors, c'était quoi? Il y avait une activité, c'est une interréaction entre le président de la République et la population. C'est ce peuple qui est venu dire au président de la République qu'ici, il n'y a pas de gratuité. Il y a la gratuité de l'enseignement, mais ici, nous ne voyons pas la gratuité. C'est ça? Et vous avez entendu la réponse du président de la République?
Il est étonné d'abord. Il a dit, je dois vérifier, mais il a insisté pour dire que la gratuité de l'enseignement, elle est constitutionnelle. La gratuité n'est pas que dans la ville de Kinshasa, elle n'est pas que à Lubumbashi, elle n'est pas que alors, à Kisangani, elle est sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et donc, cette réaction, vous ne pouvez pas la transformer à un autre élément, mon cher ami Gramé. Il dit la gratuité, elle est constitutionnelle. Merci beaucoup, Bazin. Depuis que l'école a commencé, nos enfants ont commencé l'école, vous avez vu. Merci beaucoup, Bazin. Avec les enseignants, il y avait des merci beaucoup, Bazin. Aujourd'hui, il y a la paix. Pembe. Vous devez aussi saluer cela. Merci beaucoup, Bazin Pembe. Alors, je viens à vous. Prince Pengue, nous prenons avec vous les jeux de la francophonie. Il y a beaucoup d'actualités. Compte tenu du temps, on doit prendre les tout. Les jeux de la francophonie, on parle des malversations financières. Il y a M. Didier Tioyo qui présidait ce comité d'organisation. Les jeux, c'est pour les 19 au 28 août 2022. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Et on l'accuse de beaucoup de choses. Comment vous réagissez face à ça? Apparemment, en République démocratique du Congo, il n'y a que des détournements matin, midi, soir. Je sais que vous êtes très critique à l'égard de ce régime. Est-ce que le problème est vraiment du président, se trouve au niveau du président, ou bien nous-mêmes, les Congolais, nous ne sommes pas conscients qu'on doit développer notre pays? Merci beaucoup. Oui, des détournements partout. Partout, M. Tshilombo a placé ses amis. Il y a des détournements. C'est un ami du président de la République? Mais bien sûr. Oh, sérieux? Il a créé une agence de lutte contre la corruption. Il avait placé son ami. Deux semaines après, son ami qui devait lutter qui était censé lutter contre la corruption était corrompu. Ça a commencé par son conseiller Lobo, qui imitait ses signatures. Les signatures du président, le conseiller du président l'imite. En fait, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Avant d'arriver au jeu de la francophonie, le peuple congolais a constaté que mes co-débatteurs de l'Union sacrée ont compris au moins qu'il est difficile de défendre les mensonges. Il est difficile de soutenir les mensonges. Vous avez vu comment Bazin, l'autre ami de l'Union sacrée, s'est débatté pour défendre l'indéfendable. Mais ils n'ont convaincu personne. L'université de Kinshasa a été réhabilitée. Bazin, je suis un ancien de Louvagnum. Je suis un Louvagnard donc. Je suis de la colline inspirée. Vous parlez de quelle université de Kinshasa? Vous parlez de l'Unikin? S'il s'agit de l'Unikin dont vous parlez, je dois vous inviter à la précision. Il a mis la peinture sur les hommes des étudiants. Point barre. Non, on est en train de réhabiliter. On a peint les murs. Écoutez, s'il vous plaît. Mais la peinture fait partie de la réhabilitation. S'il vous plaît. Il dit l'université a été réhabilitée. C'est vague. Moi, j'ai dit les hommes des étudiants. On a commencé à mettre la peinture depuis 2 ans. Juste pour mettre la peinture. C'est ce qu'ils ont attendu de continuer. Ils entendent d'inaugurer ça en 2023. Les enseignants ont été payés. Je ne sais pas si c'est des enseignants de son secteur ou de son territoire. Mais en tout cas, vous avez suivi Abbé Cholet qui parlait il y a des mois de 56 000 enseignants, nouvelles unités, qui ne touchent pas. Certains ne sont pas mécanisés, certains ne touchent pas leur salaire alors qu'ils enseignent. En tout cas, dans les écoles. Mais ceux qui sont mécanisés touchent du moins, non? Non, il a dit, dans les 56, là, même les mécanisés et qui ne reçoivent pas leur situation. Et ça, seulement dans les écoles conventionnées, sans parler des écoles publiques, là où il y a un véritable foutoir. Donc, il y a des milliers d'enseignants qui, jusqu'à aujourd'hui, ne prennent pas les salaires. Ne parlons pas des médecins, des infirmiers et autres. La grève des professeurs, mais pourquoi les professeurs décident de gréver? Un professeur est payé 1 350 $. C'était de 2 500. Okay. Là où Adolphe avait laissé. De 2 500 $ à 1 350 $. Un chef de travaux est dans les 260 $. Un assistant est dans les 109 $. L'État avait fait des promesses. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, plus de 4 fois. Que
qu'il allait reconsidérer cette base de paiement de salaire de professeurs et que le salaire allait augmenter. Et surtout améliorer les conditions de vie, l'outil même de travail. Toutes ces promesses-là sont restées lettres mortes. Si les enseignants, ou plutôt les professeurs d'université, pas enseignants, pour être précis, les professeurs d'université décident de gréver aujourd'hui, c'est parce qu'on est en face d'un État menteur, un État qui organise des assises avec les professeurs, qui leur dit dans 3 mois, vous serez payés, 6 mois après, ils ne sont pas payés. Donc, retenez ça. Alors, j'ai entendu parler d'un Saint-Charles. Messieurs, 6 millions de dollars ont été jetés dans l'océan. Ah non, principe, on a vu les 6 millions de dollars. Et je vous dis, je vous envoie tout à l'heure là, la preuve. Et quelle preuve? Les 3 ou 4 conteneurs que vous avez vus à Kinshasa ici de Saint-Charles, on les a achetés ici même. Oh, ici? Ils ont déboursé encore plus d'un million de dollars pour acheter cash. Ici? Oh là là. Ces poissons-là ne viennent pas de Namibie? C'est un régime de la honte. Oh, sérieux? Les quotas de poissons, de pêche qu'ils ont conclu là-bas, ils n'ont même pas si ou pire pêché. On a jeté 6 millions de dollars à Namibie. Mais ils en sont arrivés jusqu'au point d'acheter cash de poissons pour flouer les quinois. Un instant, Président, moi j'ai suivi les ministres de l'économie qui dit clairement que non, ces poissons viennent de Namibie dans ces quotas de 27 300 tonnes. Monsieur, je vous l'ai dit qu'ils ont sorti encore de l'argent, ce qu'on appelle double emploi en économie. Mais là c'est grave. Dépenser deux fois pour atteindre les mêmes objectifs. On a en face de nous des incompétents. Déjà, alors, qui vont acheter un quota, sans savoir comment ils vont conserver ces poissons, sans savoir comment ils vont les transporter, sans savoir comment ils vont les distribuer. On dit que les poissons commencent à pourrir par la tête. Alors, je viens. Vite en tout cas. Je viens à la question de. Jeu de la francophonie. Je viens à la question du jeu de la francophonie. Ouais. L'escroquerie, la tricherie, les détournements. C'est ça le régime de M. Félix Tshilombo. Dans tous les projets que M. Félix Tshisekedi a initiés, dites-moi un seul projet où on n'a pas détourné. C'est à se demander si ces gens viennent d'une planète où ils étaient tellement affamés que les Congo pourraient. Donc, pour c'est bien que c'est tous les projets initiés au niveau de la présidence de la République. Tous les projets, un seul, j'ai mis quiconque au défi. Tous ces membres du Nosaké. J'ai même mon téléphone iPhone là. C'est lui qui me dit un seul projet, il prend le téléphone. Merci beaucoup, iPhone. Merci beaucoup, M. Bengue. Un seul projet où il n'y a pas de téléphone. Le téléphone est là, Angé. 100 jours. Le téléphone est là, le téléphone de Bengue est là. 100 jours. Tu prends l'engagement faire. Quand mon compatriote Bazin parlait, je n'ai pas dérangé. Mais quand Prince Peng parle, il me dérange. Mais du moins, le téléphone est là. Bien sûr, engage. Le téléphone est là. Commençons par 100 jours. Commençons par 100 jours. C'est iPhone. Les Congolais, continuent de plaire les 400 millions de dollars. En ce moment, Vital Kamerhe est en train de prendre son whisky en Europe. Oh non, il est malade. Oh, monsieur, laissez-moi parler. Prince Peng. Non. Tous ceux qui étaient en prison, Félix les a libérés. Vous arrivez au projet Tchilengelou. Il est arrivé là-bas, là on devait construire des routes, on a vu plutôt de la terre jaune. Une véritable café Naomi Mogasai dans toutes les routes. Il a initié ici cette histoire de. De quoi? Zéro trou. Zéro trou, c'est ça maintenant? Jusque là, on ne voit que des trous. Merci beaucoup, Prince Pengue. Il vient d'initier cette histoire de la francophonie. Ça allait être une fête de la famille francophone. Oui. J'ai rencontré un chauffeur qui travaillait vite, au niveau de la francophonie, qui m'a dit que le délégué sénégalais a démissionné ici. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il n'a jamais vu des gens aussi désorganisés. Merci beaucoup, Prince. Deuxième, est-ce que vous vous rendez compte? Je reviens à vous, Prince. S'il vous plaît. Vite. Mais c'est Félix Tshilombo va inaugurer 3 immeubles au niveau du stade Tata Raphaël, qui allait accueillir les compétiteurs, les athlètes.
ça fait 2 ans depuis qu'il avait posé la première pierre, jusqu'à aujourd'hui. Les briques qu'on a commencé à entasser n'ont même pas arrivé au niveau de moi. Merci beaucoup, Prince. Merci. Félix Kaimbe. Merci beaucoup, Prince. Au point même qu'on envisage aujourd'hui de réquisitionner les hommes des étudiants de l'Unikine pour que les athlètes y habitent. Merci beaucoup, Prince. En défaut, les jeunes de la francophonie vont quitter le Congo pour aller au Rwanda. Un budget initialement prévu de 48 millions de dollars, c'est important, c'est important. Merci beaucoup, Prince. Un budget de l'organisation des jeunes de la francophonie initialement prévu pour 48 millions de dollars. Le budget initial était de 48 millions de dollars. Les conseillers et amis de Félix Tshisekedi, qui est à la tête des jeunes de la francophonie, a ramené ce budget de 48 millions de dollars à 200 millions de dollars. Et il y a une semaine, on a mis un nouveau comité et ils vont reprendre à zéro à moins de quelques mois du début merci de jeu. Beaucoup, voilà les compétences et les régimes qu'on a. Merci et quand beaucoup, on leur dit ça, on nous qualifie de tribalistes. Merci beaucoup, Prince Ping. Alors, je prends Félix. J'ai pas mon téléphone, pas j'ai ça qui s'est au parmi. Un instant, Bazin Pembe. Nous poursuivons l'émission. Alors, un instant. Alors, Félix Kaimbe, vous avez la parole. On dit que vous aviez placé à la tête de ces jeux de la francophonie un monsieur qui serait un DJ. Est-ce vrai? Monsieur Didier Thieu, on dit qu'il serait un DJ. Écoutez, Gramic, je pense que lorsque nous abandonnons le travail pour venir ici, ce n'est pas pour assister au théâtre que Prince Epeng est en train de délivrer. Aussi, vous devez être juste. Vous avez le temps. En partition vous avez le temps, de votre parlez. Temps. Oui, parce que vous l'avez laissé 25 minutes. Kaimbe. Il n'est même pas respectué par rapport à votre plateau. Il continue à parler comme si nous étions, je ne sais pas si les plateaux de la Mouka. Écoutez, il y a 10 mensonges qui viennent d'être députés sur ces plateaux. Je vais dire la vérité. Lorsque vous arrivez à l'Unikine, vous allez trouver que la bibliothèque de l'Unikine est réhabilitée, équipée. Lorsque vous arrivez à l'Unikine, vous allez trouver que les hommes sont réhabilités et équipés pour toute la première fois. Aujourd'hui, nous parlons, il y a même les bus Trans Academia, ce qui n'avait jamais existé. Sans bus déjà. Oui, pendant que Mouzito était Premier ministre, il n'avait jamais pensé aux étudiants. Ouais. Donc je pense qu'il ne faut pas mentir encore, comme si nous étions en train de déblaguer. Il y a un mensonge encore sur ces plateaux. Je pense que Epengue doit arriver à beaucoup de choses. Lorsqu'on se dit un homme d'État, il faut tenir compte aussi de l'image des marques que la personne elle-même doit travailler. Lorsque Nounouma debout ici pour dire il y a eu un double emploi en termes de poissons séchards, c'est faux et archi faux. Pour votre information, la première garnison était arrivée à Matadi, où nous tous nous avions suivi, nous avions vu comment Oske ont déchargé les poissons séchards. Et la deuxième. Le prince dit que ces poissons ont été achetés ici. Écoutez, moi j'ai fait Matadi, j'ai fait Mwanda. Ah, d'accord. Lorsque vous arrivez à Matadi, au port de Matadi, vous allez voir les bateaux qui proviennent des pays étrangers. On a vu comment est-ce qu'on dédouanait cela, on déchargeait cela, mon cher ami. Mais lorsqu'on vous dit ici qu'on a acheté c'est un particulier, je ne sais pas, c'est une information fausse. Et ce n'est pas honorable pour un monsieur comme Prince Epengue. Écoutez, comment dire, ils ont acheté chez un privé en Namibie, et au même moment, on a acheté encore chez notre privé ici. 10 mensonges encore. Je pense que par rapport à ce que nous sommes en train de faire comme la politique, il faut que nous puissions voir aussi les sens d'honneur. Mais lorsqu'on n'a pas les sens d'honneur, on doit se mettre là en train de relater sa petite vie, ce qui ne doit pas nous arranger. Par rapport à la question que vous aviez posée, oui, les jeux de la écoutez, le jeu de la francophonie, ça fait partie d'abord de l'honneur du pays. Exactement. Ça fait partie du prestige de notre pays. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, où nous parlons, nous avions suivi que le monsieur a été mis de côté, tout simplement parce qu'il a accusé certaines insuffisances. Et au lieu que nous puissions attaquer les chefs de l'État, les hommes d'État, les hommes intelligents doivent... Écoutez, lorsque l'on est nommé par le président de la République, par les DG, par les ministres, je ne sais pas, par une autorité,
au bas de votre lettre de nomination, je vois même quand je passe des promotions dans mon entreprise, je ne vais pas citer ici, on vous dit, nous vous attendons de rendre les services loyaux à la nation, à l'entreprise, pour mériter plus la confiance. Ok, oui. Mais une personne qui se met là-bas et qui ne donne pas les meilleurs d'elle-même, il est tout à fait normal que la personne soit mise de côté, soit mise de côté. Donc, s'il n'y avait pas, s'il vous plaît, mise en cause. S'il n'y avait pas une sanction, on pouvait dire qu'il y avait de la complaisance. Mais dès lors qu'il y a des sanctions, nous nous saluons cela et il y a des Congolaises et Congolais qui sont compétents, qui ont les profils qu'il faut pour occuper cette place et faire en sorte que nous puissions avoir la francophonie à la date prévue. Je vais dire, est-ce que nous ne serons pas en retard parce que c'est nous ne serons pas en retard. Vous savez, les 19 au 28. Vous savez, nous ne serons pas en retard parce que ça ne sera pas la première chose, la première fois dans notre pays. Ça sera la deuxième fois. Et il s'agit tout simplement de voir la personne qui peut mieux faire les choses, qui a les soucis. Non, en fait, pour les jeux de la francophonie, c'est pour la première fois. Mais les sommets de la francophonie, c'était en 2010, je pense. Le sommet de la francophonie, 2009, hein? Le sommet de la francophonie qui a eu lieu en 2009, et aussi aujourd'hui, nous sommes en train de parler, le jeu de la francophonie, ça fait partie toujours du sommet. Donc, c'est le tout. Oui. Donc, il faut comprendre cela. Et moi, je pense qu'ici, il y a tellement beaucoup de choses qui sont réalisées. La question des presse et pingues, j'aimerais également que si nous pourrions analyser cela. Apparemment, tous les projets qui sont menés, conduits au niveau de la présidence de la République poseraient un problème au niveau de la gestion, surtout sur le plan financier. Non, écoutez, il ne faut pas dire que tous les projets poseraient un grand problème, parce qu'il faut dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de projets qui sont réalisés dans notre pays. C'est tout simplement parce qu'il y a une bonne communication en termes de la visibilité de ce que le chef d'État, de ce que le chef de l'État est en train de faire. Mais je pense que beaucoup de projets sont réalisés. Vous pouvez citer ne fût-ce un seul projet? Prenons le projet de route du côté Katanga. Presque tout Katanga, aujourd'hui, il y a des grandes routes qui sont réhabilitées. Moi, j'ai vu d'ailleurs. Bon, c'est pas l'information. Hein. Non, vous n'avez pas l'information, je vous donne l'information. Jamais, c'était grave parce que toi, tu vois rouge partout, monsieur. Jamais cette information, vous arrivez de Kasumbalesa jusqu'à Mukambo. Il y a des routes qui sont réhabilitées. Delicacy, jusque, je ne sais pas, j'ai oublié la ville, c'est réhabilité. Et donc, moi, j'ai dit, il y a des choses qui sont faites. Je sais tout simplement que le chef de l'État a déploré, lorsqu'il est arrivé à Mbujimayi, pendant qu'il partait à Cabinda, il a pris sa carte Faka pour aller à Cabinda. Il s'est retrouvé dans des conditions inconfortables, et cette route-là, ça ne date pas d'aujourd'hui, pendant que le président Pengé était au pouvoir avec Adolphe Mouzito et qui Martin Fayoulou. Kabila, je vous informe, Kabila a fréquenté cette route-là pendant qu'ils étaient avec le président Pengé au pouvoir. Kabila lui-même avait dit. Et pendant ces 3 ans, vous n'étiez pas capable de. Il ne faut pas dire pendant ces 3 ans. Le chef de l'État lui-même n'était pas d'abord prêt pour aller au Kasaï. Il y avait beaucoup de projets qui sont réalisés ailleurs. Et aujourd'hui, où nous parlons, je pense qu'on doit trouver une réponse. Même en Mbujimayi. Moi, j'y vais en Mbujimayi de temps en temps. Les mois passés, j'y étais. Je vis des routes qui sont en train d'être construite. Je vis des écoles. Non, écoutez. Il n'y a pas que la route de la Terre Jaune du côté Bonzola. Route construite à Mbujimayi. Il y a des routes qui sont en train d'être construites. Il y a des écoles qui sont en train d'être construites. Il y a les hôpitaux qui sont en train d'être construits et réhabilités. Même une grande université. J'en parle en connaissance de cause parce que de temps en temps, je descends à Mbujimayi. Et donc, moi, je me dis ici, il ne faut pas, s'il vous plaît, que nous puissions prendre la parole pour saper l'image de manque du chef de l'État, tout simplement parce que Presse Pengé veut satisfaire ses petits intérêts. Aujourd'hui, où nous parlons, il n'y a aucun président de la République mondiale du Congo qui a fait comme Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Félix Kaimba. Alors, Bazin Pembe, nous prenons la situation à l'Est. Selon plusieurs informations venant de l'Ouvira, la population constaterait la présence de certains militaires burundais et la société civile crie au scandale. On ne sait pas, il y a déjà les militaires ougandais ici. On parlerait de la présence également des policiers
rwandais. Actuellement, ce sont des militaires burundais. Je ne confirme pas la présence, mais la population est en train, sera en train de constater cette présence. Quelle lecture faites-vous à cette mutualisation des forces? Si nous pourrions déjà faire un petit bilan, jusqu'à présent, quels sont les résultats et qui s'y voit palpable comme ça, grâce à cette mutualisation des forces? Merci beaucoup, Gramic, mais j'aimerais un peu intervenir sur la question en rapport avec les jeux de la francophonie. Oui. Vous savez, conformément aux recommandations du Conseil d'orientation des jeux de la francophonie, les CIGF, oui, en cycle, une résolution a été adoptée pour que du 19 au 28, nous ayons les jeux de la francophonie avec la démocratie du Congo. Et le président de la République, pour matérialiser cela, a pris une ordonnance, oui, vraiment certaine. Un comité d'organisation. Oui, mais il est déplorable, il faut le reconnaître, que c'est décevant ce que nous entendons comme message sur le terrain de détournement. Oui, détournement. Il faut condamner. Tshisekedi fait énormément confiance à certains patriotes, mais qui déçoivent toujours la République. Moi, j'en appelle ici, si c'est une réalité, à des sanctions, à des poursuites judiciaires. C'est vrai parce qu'il serait mis, il est mis de côté, pas il serait, mais il est mis de côté déjà. Oui, je n'ai pas l'information. Si je vous donne l'information, c'est vrai. Si cela est vrai, on doit enquêter sur sa gestion et le monsieur est... Il est remplacé par monsieur Isidore Kwanja. Oui, le monsieur est appelé à répondre de tous ces faits-là parce que ça fait partie aussi de l'image de la République démocratique du Congo. Les chefs sont en train de se battre pour redorer l'image de la République démocratique du Congo vis-à-vis de l'extérieur, mais il y a certains les Congolais verrés qui trouvent de quoi vivre dans la mafia. Il faut condamner. Et moi, j'en appelle ici à la justice de mon pays d'enquêter sur les faits et si cela s'avérait vrai, s'il y a des indices, que les messieurs puissent faire la prison parce que cela enseignerait aussi. On dit que... On dit qu'il serait très proche du président de la République, membre même de la famille, un peu de ces gens. Cher beaucoup ami, de choses qui se rencontrent. Donc, la proximativité, si je peux le dire ainsi, la proximité. Avec le président de la République, n'échappe rien aux enquêtes. Nul n'est au-dessus de la loi. Ah, d'accord. Être proche du président de la République ne dit pas que nous, on est au-dessus de la mêlée. Parce que même la Constitution de la République poursuit la personne du président de la République lorsqu'il commet une infraction. Donc, cela doit être acté. C'est désolant, c'est décevant. Mais moi, j'ai foi, je fais confiance au président de la République. S'il y a une autre personnalité à la tête des CG de la francophonie, je le demande d'accélérer pour que nous ayons... Les jeux, les 19. Ça fait partie de l'image de notre pays. Je disais que nous entamons l'année avec beaucoup de choses. Bah, l'Est, aujourd'hui, on parlerait de la présence des militaires ougandais, mais également les volcans en Nyiragongo. Quelle lecture faites-vous? Je vous ai posé cette question. Un petit bilan sur cette mutualisation des forces déjà avec les militaires ougandais. Qu'est-ce que cela a produit jusqu'à présent comme effet? Les volcans, c'est un fait naturel. Pour moi, ce n'est pas un événement. On doit être habitué. L'important pour les Congolais, ceux qui sont à la partie Est, que ces volcans soient maîtrisés à chaque fois qu'il y a des mouvements, que ces mouvements soient signalés à l'opinion pour que l'opinion aux alentours prenne des dispositions pour s'échapper à certains cas. Toujours sur les volcans, vous savez que les sinistrés de l'éruption récente, jusqu'à présent, ils sont toujours, si je pourrais dire, à la belle étoile. Là, vous abordez des thématiques. Mais c'est, vous me parlez c'est, du mouvement du volcan. C'est la conséquence, vous abordez encore s'il y a une autre éruption. La préoccupation des sinistrés qui ne sont pas... Mais s'il y a encore une autre éruption, on aurait encore beaucoup de sinistrés qui seront à la belle... Vous avez entendu dans les ondes certains sinistrés réclamer. Vous les avez suivis. On a vu les images. Vous les avez suivis. On a vu les images. On a vu les images à la télé. Non, écoutez. Vous savez, avec vos réseaux sociaux aujourd'hui, l'ami a mis son téléphone en jeu, mais il a récupéré le plus vite. Il a récupéré le plus vite possible. Mais vous citez un projet et puis je vous donne. C'est pour vous dire, ce qui est important, que la situation soit maîtrisée par nos amis. Ah, d'accord. Dans l'État, nous avons tous déploré. Est-ce qu'on a mis les moyens? Il n'y avait pas des appareils pour surveiller les mouvements volcaniques. Et actuellement, bien suivi.
On doit encourager l'État congolais et aller jusqu'au-delà. Et ces gens-là doivent être payés parce qu'ils sont là pour ça. C'est ce qui est important pour nous. Le reste, c'est un débat pour ternir ce mal image. La sécurité, alors. En place. Revenons avec la question essentielle, sensible même. Vous savez, c'est devenu aujourd'hui une chanson de la bouche de nos frères. J'ai en face de moi un frère, il est fort en statistiques de morts. Et Peng, il est fort, il peut vous donner des statistiques de morts ici, il peut vous donner des statistiques des rebelles qui sont en République démocratique du Congo. Et lorsque vous allez vérifier, vous nous trouverez que tout ce qu'il a en train de dire, c'est du vent. Il a en train de vendre aux paisibles citoyens congolais. Je viens de voir une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Je vivais même sur une information à France 24. Le président burundais, si je ne me trompe pas, c'est lui. Qui le président, qui? Vous parlez de Burundi. Intercédé pour la paix en République démocratique du Congo. Et le même monsieur là, vous dites que c'est lui qui a envoyé ses forces armées pour venir attaquer la République démocratique du Congo. C'est inconcevable. Moi, je n'ai pas cette information-là. Mais la société civile crie au scandale. La population dit qu'il observe la présence de ces militaires burundais. Non, non. Il y a des morts actuellement au Vire, depuis hier. Amic, maître basé, mieux informé. Ah, d'accord. J'ai suivi aussi la société civile. La société civile, elle est dubitative. Elle n'a pas la vraie information. Elle a tenté aussi de tâtonner sur la présence des troupes. C'était comme ça pour les Ougandais. C'était comme ça pour les Ougandais, c'était comme ça pour les Rwandais. Mais non, là moi je te donne la vraie version, vous m'amenez maintenant pour un autre. Donc, j'ai dit que pour la présence des Ougandais, c'était également un tâtonnement. Avec les soldats, la présence des militaires ougandais. Moi je dis, cette société civile a dit qu'il y a eu des combats entre nos forces armées et certains soldats non identifiés. Mais selon eux, ils estimaient que c'était des Burundais en République démocratique du Congo. Devant ces flous, devant ces doutes, vous demandez quoi au gouvernement? Pourquoi m'appeler moi à donner une opinion? Vous demandez quoi au gouvernement? Que le gouvernement fasse ou soit essaie un peu d'identifier ces troupes ou bien ces militaires-là? Mon message à moi, mon message étant qu'acteur politique, c'est à s'adresser à nos forces armées de la République démocratique du Congo, parce que ce sont eux qui ont prêté serment, ce sont eux qui ont pris engagement de sécuriser le territoire national de notre pays. Parce qu'ils ont juré de ne plus céder même une portion, même un centimètre de notre territoire national. Et moi, je les accompagne sur ces voies-là. Et j'ai dit, il n'y aura pas balkanisation en République démocratique du Congo. Prince, avec cette génération consciente aujourd'hui, moi, je n'accepterai jamais que mon pays soit balkanisé. Parce que nos ancêtres, que nous avons fait état ici le 4 janvier, nous n'ont pas dit qu'il faut balkaniser la République du Congo. Nous ne donnerons jamais les terres de notre pays ailleurs. Mais je vais répondre à une question. Je demande à mon ami, ça peut être Delimo, qui me donne son téléphone parce que je dois lui donner les éléments. Donne un projet. Qui me donne les téléphones parce que je dois lui donner un projet, vous allez avoir les téléphones. Qui vous donne les téléphones? Donne un projet. Qui vous donne les téléphones, monsieur? Donne vite un projet. Donne les téléphones, je dois répondre à la question. Prince, Gamik, je vous dis, vous savez, les gens vous parlent des détournements des projets de Chile Jeune. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez à Terre Jaune, en face de l'aéroport d'Engine, cette route est asphaltée. Merci beaucoup, Bazet. Alors, Prince Pengé, est-ce que vous avez entendu le peuple de là se plaindre? Merci beaucoup, Bazet Pembe. De cette route a été. Merci beaucoup, Bazet Pembe. Non, mais ne trompons pas. Merci beaucoup, Bazet. C'est le dernier tour des tables, en tout cas, on finit. Prince Pengé, nous prenons la situation à l'Est. La présence, on dit que la présence, ce n'est pas encore officiel, mais la population constante, ces mouvements un peu compliqués, la présence des militaires burundais. Comme vous avez suivi les représentants de la nouvelle société civile qui a dit, côté de l'Ituri, que l'armée. Ouvira plutôt, que l'armée ougandaise, plutôt burundaise, est entrée chez nous. Bazin dit non, je ne pense pas, je suis mieux informé. Vous êtes mieux informé que ceux-là même qui vivent à Ouvira, du côté de Kalundu. Et qui ont dit qu'ils ont vu l'armée ougandaise, burundaise. L'armée qu'ils connaissent mieux et bien que vous qui êtes à Kinshasa. C'est très grave, Bazin. Respectez les gens qui nous suivent. J'ai entendu ici parler, avant que je ne continue, entendu parler, Bazin dit
que non, vous vous précipitez trop. Quand Félix était à Tshikapa, la population ne comprenait pas. Non. La population a dit à Félix que votre gratuité ne s'applique pas ici. Et vous dites non, mais ils n'ont pas compris. Vous avez même vu, à part le fait que Félix interagissait avec la population, il interagissait également avec ses conseillers. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi la population était en train de vociférer. Il n'y a pas de gratuité ici. Donc tous nos frères de Tshikapa là sont des fous, sont des malades. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas ce que c'est que la gratuité. Ils ne savent pas que la gratuité ne concerne que l'école primaire. Non, messieurs, quand vous avez échoué, ayez le courage de dire que vous avez échoué. Je reviens maintenant à la question de l'Est. Vite, il dit, je donne des statistiques. Oui. Vous êtes fort pour compter les mais bien sûr, des morts. Les statistiques ont été inventées pour donner une quantité, donner une certaine mesure, donner une certaine luminosité au fait, non seulement d'estimer, mais de prendre les dispositions quant à ceux. Et hier et avant-hier, on a tué. Vous allez dire que c'est Peng qui est mort. 8 morts. Hier et avant-hier, on a tué en plein état de piège. Malgré que vous avez fait entrer, amener la police rwandaise, malgré que vous avez fait amener l'armée ougandaise, maintenant l'armée burundaise, Mobutu et d'autres présidents du monde disaient que quand un chef en arrive au point de sous-traiter la sécurité de son peuple par des armées étrangères, c'est que celui-là, la dernière chose qui lui reste à faire, c'est de démissionner. Merci beaucoup, président. S'il vous plaît. Les Congolais savent se battre. Et même l'autorité coloniale le savait. Ils recrutaient. Les Congolais ont fait même la première et la deuxième guerre mondiale. Vous le savez. Vous nous avez dit ici que vous avez hérité une armée de votre partenaire, de votre allié Kabila. Cette armée est passée où? Alors, donc, bref, ici, je vais souligner les faits. Que quand nous avions dit que l'état de piège a échoué, on nous a taxé de tribalistes, on nous a taxé d'aînés. Si l'état de siège avait réussi ou est en train de réussir, comme vous le dites, pourquoi alors faire appel aux armées étrangères pour envahir le Congo? Encore que l'armée ougandaise dit maintenant qu'elle ne quittera pas le Congo. Merci jusqu'à au jour où elle va éradiquer les groupes armés. Merci. Alors que nous savons qu'en réalité, c'est le même Ouganda et le même Rwanda qui financent certains groupes armés. Donc, les Congolais doivent retenir que l'armée ougandaise restera chez nous jusqu'à ce que M. Félix Tshilombo soit défenestré par le peuple aux élections 2023. Beaucoup, et à deux secondes, je voudrais, Bazin, que vous compreniez ce que j'ai dit. Et j'ai mis mon téléphone en conscience des causes. Peut-être qu'on rigole, mais je suis très sérieux. Tous les projets initiés par M. Félix Tshilombo, il y a eu des détournements. Merci beaucoup, Président Ping. Et maintenant, la question qu'on doit se poser, merci beaucoup, c'est lui qui a nommé tous ces gens-là. Comment ces gens-là sont des détournés et lui ne savait merci pas beaucoup, c'est quelque part, lui aussi, merci Félix beaucoup, pose problème. Donc, beaucoup, la personne qu'il faut faire partir, ce n'est pas seulement ceux qui détournent, mais lui-même, la personne qui nomme ces gens-là. Beaucoup, parce que lui, il a aussi des gènes dans les mêmes ordres de ceux-là qui détournent. Merci beaucoup. Nous finissons par vous, Félix Kayembe. En tout cas, vite, comment vous réagissez face à ce qui se passe actuellement à Uvira? Les Congolais sont tués. On parle de la présence des militaires burundais. Vite, je tiens à dire que c'est faux et archi-faux parce que nous avons une bouche autorisée. C'est le ministre des Communications, Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement. Il communiquerait toujours en retard. Écoutez, c'est lui la bouche autorisée pour que nous puissions en savoir plus. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout est possible. Ah, et donc, je vous dis, c'est faux et archi-faux. J'en reviens à dire une chose ici très importante. Je pense que Prince Epengue est en train de faire du théâtre. Il est bon pour le théâtre. Félix Tshisekedi ne partira pas en 2023, messieurs, parce que le bilan de Félix Tshisekedi est positif jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu Bercy qui a fait les sondages. Félix Tshisekedi était à la tête. Les derniers sondages, lorsque nous traversions 2021, Félix Tshisekedi avait 55%, Moïse Katumbi 9%, et Fayulu 5%. Donc vous comprenez que Prince est en train de faire beaucoup de bruit pour qu'il puisse avoir son petit siège, mais il n'aura même pas son petit siège là. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais, vous n'êtes pas la CENI, les Congolais sont avertis
Ils savent de quel côté où il y a la lumière, et la lumière est du côté fait Tshisekedi. Aujourd'hui où nous parlons, regardez un peu lorsque il a fait le tour dans l'espace d'Ankra Saï. Il y a les gens qui disaient, écoutez, lorsqu'il va arriver là-bas, on doit les lapider, on doit les chasser, mais tout l'espace d'Ankra Saï est tombé. Voilà, Iwe. Lui et Pengessi. Lui et Pengessi. Lui et Pengessi avait les billets. Il serait parti à l'autre aujourd'hui pour ne pas finir. Des sondages tracés. Si Epeng avait les billets, il serait arrivé moi. Les sondages payés. On n'a pas hier sur les conseillers nationaux à payer. On s'informera à les journalistes. Les bus, c'est pas qu'il y ait Bouchmaï pour Canada. Merci beaucoup à toute l'équipe. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre parole n'aura même pas les chaises. Merci beaucoup. Il n'aura même pas les chaises. Il n'aura même pas les chaises. Merci beaucoup. Il n'y a pas de sondage. Merci, merci. On finit l'émission. On finit. Dans les 5 minutes, Merci beaucoup.